n'était pas forcément traiter de ce sujet-là, c'était simplement partir d'un prétexte pour expliquer qu'aucun enfant n'aurait pu se rendre à cette fête. Et il m'a fallu trouver une raison et j'avais envie de parler de ces parents grognons et ronchons. En fait, ils sont dans une certaine distance avec leur enfant et c'est l'histoire de cette distance qui doit, comme je disais, qui doit se réduire entre eux. Et donc, à partir de là, voilà, j'ai eu l'idée que comme ils ne savaient pas comment réagir face à la tristesse de leur fils, eh ben, ils faisaient appel à quelqu'un qui est finalement un petit escroc en fait, et qui décide d'envoyer toute cette espèce de zoo à la maison. Et c'est à partir de là que le désastre se crée. Donc en fait, c'était un peu des personnages clés qu'il me fallait insérer dans l'histoire. Mais le livre ne tourne pas vraiment autour de cette froideur. Certes, elle est présente dans le livre au début et elle se résout à la fin. En fait, elle disparaît. La mère dit à la fin, c'est drôle comme les animaux nous ont appris à être plus humains. Voilà, c'est un peu ça le sujet, effectivement. Déjà, dans les dos du Velu Petit, on avait une page qui s'est dépliée en trois. Ce qui me plaît beaucoup, c'est d'arriver à tenter de créer une espèce de troisième dimension, enfin, d'ouvrir en fait, la narration par une page qui se déploie en plus grand. Donc déjà, ça, c'est un principe qui me fascinait beaucoup. J'aurais voulu le mettre aussi dans Un grand jour de rien, mais pour des questions techniques, ça n'a pas été possible. Cette page-là, elle ne peut pas être blanche, donc il y a forcément le dessin qui doit se répéter pour que la narration ne s'interrompe pas. Donc voilà. Et après, il y a eu un petit souci technique aussi, c'est que dans la version originale, c'était la page de droite qui devait se déplier, et dans la version française, la version originale c'est celle américaine, dans la version française c'est la page de gauche en fait qui se déplie. Ça a été juste pour une question de malentendu. Mais voilà, ça n'affecte en rien le principe de voilà, vouloir ouvrir cette scène de fête et de joie sur trois pages. Je ne voulais pas rentrer dans un mécanisme, je mets du fluo dans mes livres. Dans celui-ci, pour moi, il n'y avait pas raison d'avoir du fluo. Autant dans Un grand jour de rien, c'était vraiment l'enfant et sa lumière intérieure qui s'est développée dans la nature pluvieuse. Autant dans le dos du Velu Petit, c'était cette espèce de reconnaissance entre deux êtres qui se retrouvaient. Et là, dans Harold Snifferpot, je n'ai pas trouvé logique de parler, de mettre ça en fait en plus. Je pars toujours du texte, toujours. Et en fait, à partir de vraiment des mots, je me laisse inspirer et je pars sur les dessins. Chaque mot est très pensé dans mes livres. Et pour ce qui concerne les dessins, c'est une cuisine un petit peu improvisée parce que je suis autodidacte. Et du coup, cette cuisine, elle s'organise de façon particulièrement bordélique. Il y a des fonds qui sont faits avec de l'aquarelle, parfois des huiles, je mélange du gras et du sec. Et il y a du collage qui intervient quand je le sens, quand j'ai la chance de trouver aussi les images qui me parlent dans les journaux. Voilà, donc c'est vraiment un peu hasardeux, mais ça répond à une logique très précise et très claire à l'intérieur de moi.